Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsuya. Aujourd'hui, chers amis, on va miner de la crypto, mais en jeu vidéo, hein, ça va pas, c'est pas du tout, on se calme, c'est pas pour de vrai. Voilà, je préfère vous prévenir, rien de réaliste là-dedans. Crypto Miner Tycoon Simulator, d'ailleurs je crois qu'il sort pas tout de suite, hein. D'ailleurs, on en est où à ce niveau-là de la sortie? Attendez, excusez-moi, hein. Ça c'est combien, quand est-ce que ça sort cette histoire? Je sais plus. 21 avril. Ah oui, bah dans quelques jours. Voilà, dans quelques jours. Tiens, arrête ça. Et voyez, il en fait plein. Il y en a plein. On peut gagner des fortunes et des fortunes dedans. Il va falloir suivre le cours du Bitcoin et il va falloir s'organiser. Mais attention. Le jeu est un jeu de gestion qui n'est pas hyper simple. On va se lancer tout simplement. J'ai déjà essayé le jeu. Je vais prendre une petite sauvegarde qui soit vide. Alors j'ai débloqué Western Europe. Mais on commence par North America et apparemment il y a des capitales de départ qui sont plus ou moins faibles et des salaires aussi. Alors le salaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, le Bitcoin quand même c'est mondial. Donc je comprends pas toujours tout, mais on va s'adapter. Ok, on va faire un petit bonhomme random. Vous voyez qu'il y a le corps, il y a la peau, il y a la tête, il y a les cheveux, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la couleur de peau, il y a des lunettes, des pas des lunettes, des yeux. Bon, des pas des yeux, c'est un peu compliqué, mais voilà, bah, il est très bien lui. Allez, down. Veuillez entrer. Comment ça? Un fait? Secret que seul Joe Miner. Alors Joe Miner, c'est son nom. Bon bah tu. Voilà, c'est le seul qui connaît ce secret. Et voilà, alors on a un petit scénario là. C'est papa qui nous. Hey, salut fiston. T'as une seconde? Non. Non, il y a pas de nom. Salut papa. Et il met un petit moment à écrire. C'est génial, c'est très frustrant. C'est extrêmement frustrant. Je peux pas malheureusement passer. Alors, je viens d'entendre une nouvelle monnaie numérique qui va changer le monde, bien sûr. Et si tu dis pas le Bitcoin, il te dit, mais non, c'est le Bitcoin, évidemment. Père est en train d'écrire. Oui, celui-là, oui. Le Bitcoin. Ça pourrait être une bonne idée pour toi de démarrer. Tu as ta propre entreprise. Sais-tu comment obtenir des Bitcoins? Bah, je pourrais les acheter. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, là, on va directement les miner, les bitcoins. Mais je pourrais les miner. Alors, évidemment, Fantasio 974 approuvait, mais lui, il a plutôt tendance à faire de la spéculation boursière dessus, c'est-à-dire qu'il l'achète quand c'est bas et il revend quand c'est haut. Parce que bon, il n'y a pas que le bitcoin. Bon, bref, j'aurais besoin d'un bon PC. Avance. Ah, il fait son. Oui, bien sûr, ça coûte cher. Ah oui, j'ai plus d'argent. Te demander. Alors, donc, aucune dépense. Oui, bon, j'ai un peu d'argent sur moi. Alors, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Quasiment rien du tout. J'essaie de pas mentir. Ça change strictement rien. Juste avancer un petit peu. Voilà, donc il vient de me filer 2000$ et moi j'ai un petit peu d'argent et on va pouvoir s'y mettre incessamment sous peu. Il a arrêté, il n'y a plus de message pour nous, merci, ça c'est un petit peu le machin, il te dit le minage par GPU est proche, le logiciel open source pour miner les GPU arrive en octobre. Bon bref, on a de quoi commencer, voilà. Donc c'est en pixel art, c'est comme ça, c'est chez Olipo. Tu peux tout bouger, il faut vraiment faire de la gestion d'espace, et c'est super important. Là tu vois, j'ai une plante, eh ben, je vais la vendre parce qu'elle gêne. Là tu vois, j'ai ce truc là, que je peux bouger, je vais le remettre. Voilà, je vais le remettre, tu le remets pas en place, d'accord. Bah, je vais le vendre aussi parce qu'il gêne. Le tableau gêne. Ok. On a évidemment de quoi faire les courses. La première chose, mettre un PC, un atelier, alimentation, tout ça. Faire un PC, évidemment, pour placer 2 gigas de RAM dans la carte mémoire. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas besoin de plus de 2 gigas de RAM. Hein. Bah écoute, on va y aller. On va monter un PC. Donc là, c'est la... Comment dire, bah, c'est le shop, quoi. Hein. C'est là où ça vend. Hein. C'est là où ça vend. Tu vois, tu as plein de choses. Tu as une armoire, tu as un lit, tu as une porte. Très très important, t'as un bureau de travail standard, un desk, chaise, moniteur. Alors c'est en franglais, hein.
c'est traduit en français avec Google Trad, et évidemment, il y a plein de choses. Bon, bref. Et là, tu vois qu'apparemment, les recherches sont 50% plus rapides. Donc, il va nous falloir un PC, déjà. Alors, tu as le truc que tu peux acheter, et tu peux le monter toi-même, ton PC. Très important. Là, tu as un boîtier silencieux. C'est-à-dire que la ventilation, 40% d'alimentation de la chaleur et 30% de réduction de la poussière. Maintenant, elle maintient le bruit sous 30 dB. À plus de 45 dB, il ne peut pas dormir. Et ça l'embête. S'il ne peut pas dormir, le jeu est foutu. Tu ne peux pas, tu peux plus rien faire. Grosso modo, tu ne peux plus rien faire. On va mettre deux GPU. Alors regardez, là j'ai plusieurs cartes mères. J'ai une carte mère nulle. J'ai une carte mère où je peux mettre trois cartes graphiques, évidemment, parce que c'est carte graphique. Mais ce PC ne servira pas que pour le minage, il servira surtout à son apprentissage. Donc il faut faire un PC qui fait pas beaucoup de bruit, qui coûte pas excessivement cher, et qui n'est pas là pour faire du mining. Alors évidemment, si je devais expliquer le mining, vu que je suis pas sûr moi-même, mais il paraît que c'est du cryptage, de données, des bitcoins, et puis bon, bref. Ok, donc on a rajouté 16 Go de RAM x2, c'est pas non plus, mais je pense quand même que pour la recherche, c'est mieux. Pour miner ou pour faire des recherches, il n'y a pas besoin d'avoir un gros disque dur. Donc tu prends un SSD de 500, tu le mets en place, une bonne alim. Mais point trop non plus, tu vois rien. Alors ça, c'est des 470, si je m'en rappelle bien. C'est pas non plus énorme. C'est pas la peine de prendre une alim qui soit plus... parce que oui, on a des grosses alim qui dépassent les 1600. Il va falloir, mais pas tout de suite. Et puis un petit ventilo, voilà, dans un boîtier silencieux. Et hop, add to cart. Donc tu prends ça, tu achètes. Attends, il va falloir aussi que j'achète. Pas du tout. Celui-là, le bureau, on le pose ici et hop là. Donc je prends le bureau. Alors c'est plein de petits, de petites mécaniques d'installation. Voilà, donc le bureau est en place. Là on a les flèches pour avancer et hop là, j'ai tout avancé, il a tout installé. Ok, donc maintenant que le bureau est en place, il va falloir démarrer l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur est démarré, c'est assez important, il faut installer le logiciel. Vous voyez que ici, on peut se spécialiser sur des logiciels à 120 balles, ou alors sur des logiciels gratuits, dans le genre Linux qui est gratuit. Donc, quand tu as un rack avec 3, 4, 5 PC, c'est bien quand même d'avoir Linux. Mais pour apprendre, il vaut mieux quand même avoir celui-là, WinOS. Alors WinOS, c'est Windows, quoi, évidemment, c'est Windows. Sur un SSD, c'est plus rapide, j'avais pris un disque dur mécanique au début, et ben il faut une heure. Et alors que là, c'est même tout à fait réaliste, et c'est vraiment des minutes qui passent comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement accélérer le temps, bien sûr. Et hop là, il vient d'accélérer le temps. Alors, je vous cache pas, quand je mets c'est 5, 6, ça passe extrêmement rapidement. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut aller dans le logiciel de mining. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications, hein, je suis désolé. Hein. Comme il n'a aucune formation pour l'instant, voilà, donc ça, tu vois, il peut rien faire. Comme il n'a aucune formation pour l'instant, il peut miner du Bitcoin avec les processeurs. Parce qu'apparemment, avec les cartes graphiques, il ne sait pas comment faire. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Ok, donc du coup, on mine une misère juste avec les pros. C'est pour ça qu'on en a deux. Mais en même temps, il faut nous former. Miner du Bitcoin. Alors, le petit bonhomme là, notre Joe Miner, il a des spécificités, c'est-à-dire qu'il met le sommeil au-dessus, de toute façon s'il ne dort pas, il est claqué. C'est un Sims, globalement c'est un Sims. S'il fait trop chaud, il s'arrête, il ne fait plus rien. S'il y a trop de bruit, il s'arrête, il ne fait plus rien. Donc il faut vraiment, vraiment tout commencer. Les basiques, voilà. Et il faut qu'il fasse de la recherche, et il faut qu'il apprenne. Voilà, il va falloir qu'il fasse énormément de formations. On va accélérer le truc. Et là, t'as papa qui te dit, bah ça y est, t'as installé ton PC, t'as fait ton truc, voilà. Comment c'est? Voilà, moi j'ai dit, bah voilà, c'était fastoche, ça. Voilà ta récompense, il m'a filé 8 000 $. Qu'est-ce qu'on fait avec 8 000 $? Plein de choses. On commence à miner.
Et après ? J'ai besoin de plus. J'ai bien, tu peux lui demander plus. Bon, ça sert pas à grand chose, je pense. Hein. Tu peux améliorer tes compétences en utilisant l'argent efficacement. Linux est gratuit et nécessite moins de RAM. Apprends à l'installer. Père vous lance une mission, apprendre la programmation de Linux. Non, et il faut les faire, ces missions. Ok, ouais, ouais, que, oui. Comment dois-je faire la recherche ? Alors, je viens de faire une recherche, là, pour la programmation basique, parce qu'il faut une recherche pour tout. En fait, il faut une recherche. Tout ce que tu veux faire, il faut une recherche. Tu vois, attends, bouge pas. J'ai oublié de mentionner. Évidemment, s'il y a trop de bruit, il peut pas rechercher. Il ne peut pas étudier, il ne peut pas dormir, il est bloqué. Et plus il est bloqué, plus il va passer son temps à dormir parce qu'il est éveillé, ce con. Voilà, bon, bref, papa, il nous a dit... Tu vas apprendre sur Linux. Bon, déjà, ça, regarde. Hop là, regarde. Voilà, il est allé dormir. Et hop là, tout à fond. Donc, il a appris la recherche basique scouting. C'est quoi déjà scouting exactement? Et bien, fait, oui, t'es advanced skin. J'ai rien compris. Advanced scouting. Ce qu'on va faire, c'est du... Basic management, opération de management, employé, bah c'est pas maintenant, on n'en a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'employés pour l'instant. Management, on peut apprendre apparemment l'OS système using level. Ah d'accord, donc c'est la programmation sur Windows. Et tu vois, il sait installer Windows, donc c'est pas mal. Mais on va essayer d'apprendre Linux. Hop là, donc il a appris très très vite. Non, pas du tout. Non, tu vois, ça va tout doucement quand je suis en Power 3. Ça, c'est 14h, 15h, 16h. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Et hop là, on a tout appris. On va continuer à apprendre. Alors, ce que je vais apprendre, c'est... Attends, c'est l'overclocking. Parce qu'on a deux overclocking, basic overclocking. Je ne peux pas, parce qu'il a besoin de advanced, oui, basic computer hardware. Donc il me faut d'abord basic computer hardware. Évidemment, il doit s'y connaître un petit peu. Et là, pour basic, donc je peux le, parce que j'ai advanced, non. Voilà. Donc d'abord, on va apprendre les basic du hardware. Ah, le mystérieux, bon, allez. Price. Donc tout ce que je suis en train de miner là, il me propose de le vendre. Ouais. Mais qui es-tu? J'ai pas le temps de t'expliquer. À Warot? Je comprends pas ce mot là. Ouais, ciao, chouchou, bye bye. Allez, barre-toi. Amélioration, utiliser les étagères. Oui, je sais. Ok, donc il a fini. Donc on a appris ça. Ce qu'on peut continue d'apprendre, c'est Hardware Express, Basic Overclocking. Donc on va commencer à overclocker. Qu'est-ce que c'est l'overclocking? Quand tu as un processeur ou une carte graphique, tu peux faire en sorte qu'ils aient une performance qui est plus élevée de 5, 10 ou 20%, mais il faut faire attention à l'instabilité que cela génère. Voilà, j'ai été assez clair peut-être. Et roule ma poule. Ok. Donc ça, c'est appris. Donc papa est content. Hein, je vois que tu as réussi à overclocker l'overclocking. C'est impressionnant. C'est sûr, hein? Ah, voilà ta récompense, comme promise. Donc on a débloqué Linux. On a débloqué, il m'a filé 2000 balles. Ah oui, non, voilà. C'est bon? Il est encore en train d'écrire. Vous pouvez maintenant overclocker les CPU et machin. Hein. Ok. T'as d'autres missions? Diriger une grande entreprise sur un besoin d'employés, comment puis-je faire? Je vous ai montré tout à l'heure, il y a le management à apprendre et on va pouvoir normalement recruter. Recrute complètement. Hein. Ne puis-je pas juste apprendre moi-même? Oui, bah c'est ce que je suis en train de faire. LOL! Deviens expert en recrutement. Personne ne le peut. Plus d'apprentissage, compétences d'expert. Hein. Beaucoup de temps. Oui, bon, bref. Ouais, Cassos, qu'est-ce que c'est ça? C'est ton alerte. Ah oui, start new target. Alors, bougez pas, attendez. Enfin, bougez pas, c'est bon maintenant. Donc, je reviens sur mon petit setup. Alors, ça, c'est vraiment un setup de rien du tout. Hein. C'est-à-dire que. Attends, close. Là, ici, j'ai mon portefeuille de mining. Ça veut dire que je peux vendre. Le max que j'ai gagné, c'est 8$. Parce que forcément, tu gagnes 61$ par. Par jour, 61$, 61 centimes, en fait, par jour. Et en fait, en faisant du hardware,
Je peux maintenant... Pas du tout. Comment ça? Ah, il me faut le management. Il me faut le management. Ah, d'accord. Non, mais là, je peux overclocker. Donc, je peux t'overclocker fois 20%. Et donc, il va rapporter un peu plus par jour. Non, mais ça va pas. Former les employés. Joe Miner. Target. C'était où déjà? Management. Management Express. Scouting. Advanced Scouting. C'est pas ça, non? Ebelt, number, candidature. Non, c'est pas ça. Basic management. Je me souviens plus. C'est le overclocking, c'est le hardware. Pourquoi tu veux pas? Attends, fais voir le basic management. Non, c'était pas celui-là. Scouting. Ouais, il faut apprendre. Oui, alors là, il va mettre une plombe à le faire, mais c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça, en fait. Apprendre la programmation de Linux. Ok. Attendez, bougez pas. Par contre, on va faire un truc. C'est important. C'est... Oui, mais là, du coup, je peux pas. C'est, il faut acheter d'autres PC. On va faire en sorte qu'ils soient silencieux, parce que ceux-là, ils sont bien, parce qu'il y a 3 ventilos dedans. Par contre, si tu les as dans la chambre, tu ne peux pas dormir avec... Parce qu'après, il va falloir apprendre à construire. Parce que pour mettre une porte et faire une autre pièce, il faut des compétences de construction. C'est là que je me suis fourvoyé quand j'ai essayé tout seul. Et donc, du coup, là, ils me font un rack. On a 11 000 dollars. Ils nous font un rack pour les PC. Tout simplement, ils nous font un rack pour les PC. Fermé de préférence. Parce qu'apparemment, s'il est fermé, strike right, move, nothing to use... Separate, chèvre, en fait, ça réduit la poussière. Bah, tout simplement parce qu'il est fermé. Il est fermé. Il faut que j'en compose un autre avec le boîtier silencieux. Oh, putain, ouais, d'accord, t'as moins de... Ouais, mais ça réduit le truc. On va mettre une grosse carte mère en DDR3 avec 3 ports PCI Express. Évidemment, on va mettre tout de suite le i7 parce qu'il faut pas déconner. Et on mettre des grosses cartes dedans. Et voilà. Alors, normalement, pour miner du Bitcoin, il n'y a pas besoin de beaucoup de mémoire vive. Normalement, pas. Donc, je prends le risque, j'en mets seulement 16. Il n'y a pas non plus besoin d'un gros disque dur. Même si, bon, là, bon, voilà, quoi. Je mets ça. Et là, il va nous falloir une grosse... Grosse, mais point trop grosse, genre 1003, c'est déjà bien, quoi. Et alors ça, c'est les... Je crois que c'est celle en bronze, parce que t'as différents types. T'as ceux en silver, en platine, directement. Évidemment, elle coûte beaucoup plus cher. T'as ça dans la réalité, hein. C'est très réaliste, au final. Bon, voilà, moi, je me dis, une petite alimentation en bronze, comme ça, 1500, ça fait l'affaire. Pas la peine d'acheter de l'or. Ça coûte tout de suite 500 balles, 600 balles, l'or. Ouais, et puis un petit ventilo, histoire de... Voilà, en couleur, tout ça. Ok. Donc là, celui-là, il va me coûter 2700 balles. Putain, j'ai quand même envie de rajouter un petit peu plus de RAM. J'ai un peu un poil peur que... Mais normalement, le mini, normalement, je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Ok. Donc là, tu vois, ça, c'est mon PC. 10 composants. Je multiplie par 3. Donc, je pose le rack. Je pose un PC. 2 PC. 3 PC. Et il finit de dormir. Il finit d'étudier. Attends, je crois qu'il a déjà... Shutdown. Donc là, on vient de l'allumer. Logiciel de mining. Installer l'OS. Comment ça? Ah, c'est le supérieur de Linux. Tu m'emmerdes. C'est le supérieur de Linux. Il me semblait que c'était bon, mais c'est pas bon du tout, en fait. Ok, il est où, lui? T'as fini? Oh, oh. Attends, bouge pas. On va avancer. Avance. Arrête de dormir. Bon, il faut attendre. Il faut attendre qu'il ait fini, ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure.
Ah, minage par GPU. D'accord. La technologie, le publishing. Personne ne peut plus apprendre. Qu'est-ce que c'est, what news? Qu'est-ce que c'est ici de news? What news? Bah bien sûr, non, j'ai... C'est quoi? J'ai bien... Oui, bah oui, parce que le... Maintenant, le GPU... That can put trick out graphic. C'est ce que j'ai fait, en fait. Really? I know! Je sais! Donc, en fait, la technologie n'était pas disponible avant. On va se think more like... Dozen, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais apparemment il veut vraiment que je fasse. J'ai un rack avec énormément de PC. Allez, fini d'écrire OMG. Ok, là, one auteur, top on auteur. What about the noises? Et le bruit, évidemment. Donc là, il va me dire qu'il faut choisir des boîtiers qui ne font pas beaucoup de bruit et il faut les mettre dans un caisson comme ça. Et puis au pire, il va falloir les mettre à l'extérieur de ma chambre. Mais pour cela, évidemment, il va falloir commencer à construire. Parce qu'évidemment, rien n'est gratuit. Think so again, well, again the wall. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire. Tout simplement, avance qu'on en finisse, s'il te plaise. Oh là là, putain. Franchement, ça c'est un petit peu chiant, mais en même temps, le jeu est un peu long. Hein. Attention, c'est un jeu qui... Bah, c'est un jeu de simu, quoi. Globalement, oh putain... Allez, avance, get a room with better floor. Voilà, il faut que j'installe un sol hors ligne. Merci. Dégage. T'as fini, OMG. Attends, donc du coup, logiciel de minage. Ouais, mais de toute façon, là, je peux pas encore. Si je pourrais installer celui-là pour 120 balles. Ouais, mais je voulais installer Linux, là. Je voulais installer Linux. Ok, il a presque fini. Ok, super. Stargate. Le nouveau Linux administration. Il roule ma poule. Bon, pareil, il va être lent sa maman. Il va passer son... Oh, wow, c'est hyper lent. C'est hyper lent du cul. Ok, donc là, il y a un type mystérieux. Il me dit, c'est le moment de tout vendre. Et incroyable du cul, ça vaut 200 balles. On va quand même tout vendre parce que vous voyez qu'on a... Il faut qu'on surveille... les montées et les descentes. Allez, roule ma poule. Normalement, on n'a pas pratiquement fini. Oh là là, avance. OMG, avance. Salopio. Voilà, le type apparemment va nous contacter pour nous dire quand est-ce que ce sera le moment de vendre. Ok. Allez, on finit d'apprendre Linux. Et ensuite, on installe Linux là-dessus. Et normalement, les performances devraient être meilleures. Mais d'ailleurs, ouais, putain, il va venir en direction d'un peu d'argent. File du pognon, OMG. Tiens, attends, fais voir. On va arrêter d'être emmerdé par lui parce que 2 minutes. Donc maintenant, logiciel de minage. Bon, apparemment, parce que ça, je l'avais pas sélectionné. Maintenant que la technologie apparemment est arrivée, je peux faire jouer mes CPU et gagner 10 dollars par jour, ce qui est absolument pas réaliste, hein. Ce qui est absolument pas réaliste. 10 dollars par jour, c'est énorme. C'est énorme, c'est pas possible, les enfants. 10 dollars par carte graphique, ce n'est pas possible. Normalement, d'après ce que j'ai compris, je me suis un peu intéressé. Ce que tu peux faire, c'est d'ailleurs arrêter les trucs, parce que franchement, cancel, arrêter le minage. Franchement, on s'en fout. C'est ridicule, quoi. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, ça, tu closes. Logiciel du mining. Donc là, je peux installer enfin. Sans dépenser 120 balles. Et en plus, ce sera normalement plus mieux. Attends, hop là, ça, tu veux. Donc là, tu vois, il fait ça 3 fois très très vite parce qu'il est très très bon. Vu que c'est un geek. Oh putain, quel abruti. Alors ça, je vais me gourer assez souvent. Et en fait, il va le reprendre à chaque fois pour le mettre en place. Voilà, parce que c'est un connard. Et à chaque fois que moi je me gourre, parce qu'en fait, si tu fais clic droit, tu peux accéder au menu. Si tu fais clic gauche, tu déplaces tout, mais immédiatement. Bon, bref, on aura compris. Blablabla. Donc ça, c'est le pros. C'est pas la peine de lui faire faire du mining pour 0,70 par jour. Franchement, je trouve que c'est débile. Hop là, carte graphique.
carte graphique. Bah, pas ça, du coup. Pas le pros non plus. Carte graphique. Je me demande si on peut tout faire d'un coup. Donc là, on va commencer à accumuler du bitcoin. Là, ça commence à être intéressant. Et en plus, on peut overclocker ça de 20%. La seule chose, c'est est-ce que ça va faire trop de bruit? Est-ce que ça va vis-à-vis de lui? Regarde. Endormi 0, c'est-à-dire qu'il dort bien. C'est-à-dire que tout va bien. Apparemment, Joe Miner va bien. Ça, c'est vraiment, vraiment un truc à prendre. Hein. 10 000 balles. Il y en a pour 10 000 balles. Donc, je peux retourner ici. En bas, tu vois, on commence à ramasser 12 dollars par jour par carte graphique. C'est absolument pas réaliste. Attention. Ça n'existe pas. Même si tu as des cartes graphiques à 1000 balles, elles ne font pas 12 dollars par jour. C'est pas vrai. Hop là, donc ça, j'ai augmenté. Et là, regarde, on a du mining, mon gars. On a du mining. Ok, donc maintenant. Enregistrement avec succès. Ah d'accord, ça c'est parce que... C'est... Je suis en QWERTY. J'enregistre avec succès. Ok, bouge pas. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà voir combien de pognon est-ce qu'on a encore. Ah oui, on finit avec le vieux, ce qui va me donner sûrement autre chose à faire. Voilà ta récompense. Il me donne 3000 balles, ça fait plaisir. Évidemment, hein, il vous faut un père qui vous donne genre 15 000 balles. Ah, ça c'est fait. Le mystérieux tipeur, il a arrêté de tiper. Qu'est-ce que c'est ça? Target. Alors justement, là maintenant. Maintenant qu'on peut overclocker notre PC, qu'on peut utiliser Linux comme un pro, l'expert, à mon avis, ça va prendre une... ça va vraiment, vraiment prendre longtemps. Donc, on va... Ouais, basique construction. On va commencer par la basique construction. Et on va le laisser doucement, mais sûrement, avancer. Moi, ce que je voulais, c'était... là. On va en acheter deux, je pense que ça passe. On a 4000 balles, c'est pas extraordinaire. Hein. On va déjà en acheter deux, alors est-ce que ça marche? Donc ça fait 1. Oui, alors merci de... Bon, bah pour l'instant, on remet ça là-dedans. Donc normalement, je devrais pouvoir avoir un PC de plus, voire même deux. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir le Bitcoin... Parce qu'on est encore pas trop trop mal. On va voir le max. C'est tout ce que j'ai, 22. Qu'est-ce que tu me racontes, là? 7 max. Bah, OMG. Ah, j'ai tout vendu. En fait, j'ai déjà tout vendu. J'ai appuyé sur vendre Bitcoin. Bah, du coup, j'ai combien de pognon? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai 4000 balles. Bah, vous rapportez quand même ou pas? Qu'est-ce qui se passe, vous? Le site de mining. Sélectionner la cible. Ouais, normalement c'est bon. Et ça consomme aussi 220 MHz, ce qui est beaucoup quand même. Tu vois que là déjà 3, ça fait 600. Les cartes modernes, c'est 600. La carte moderne d'ailleurs. 600 MHz, la carte moderne. Pardon, je parle comme un abruti, mais la 3008, elle consomme 600. Donc, il m'a fallu au moins une alim de 750 pour faire tourner mon PC. Et je peux vous assurer que sur des gros jeux, j'ai eu des soucis. Donc, les nouvelles cartes graphiques, elles consomment énormément. Voilà, tout simplement. Pourquoi, par contre, j'ai si peu de bitcoin, du coup? Alors qu'apparemment, il fait 12 dollars par jour. Moi, peut-être parce que le jour n'est pas passé, je sais pas. Peut-être que c'est à cause de ça, je sais pas. 7 max. T'as fini? Il a recherché la construction. Super, moi. Tu fais quoi? Tu fais la construction niveau 2. Elle est où la construction? C'est quoi ça? Ah, c'est les nouveaux trucs. D'accord, t'en bouges pas. Ça, c'est quoi ça? C'est la programmation, l'overclocking au max, construction advanced. Là, il va passer un moment, hein, c'est moi qui vous le dis. Non, d'accord, j'ai quand même 200 balles. Eh ben voilà, 200 balles par jour, c'est plutôt mieux. C'est plus mieux quand même, hein. Voilà, on vend ça. Je
je sais pas si on arrive à acheter encore un PC. En tout cas, ça va, il arrive à dormir et ça, c'est très très bien. On retourne au magasin. Alors, vous vous souvenez que on avait monté un PC. Et je crois que c'est celui-là. On avait monté un PC, donc on pourrait en acheter un. Malheureusement, on peut pas en acheter deux. Ça s'y fait déjà 3000. Donc celui-là, on l'achète. Et on le pose en place. On met en place. Ouais, enfin, en fin de compte, si. Et on n'oublie pas de le mettre en route. Surtout, surtout de le mettre en route. Est-ce que... Il est où ce con? Je le vois pas. Ah, attends. Logiciel de minage, démarrer. Ah oui, d'accord. Donc il y en a un à démarrer. Logiciel de minage, est-ce qu'il s'est mis en route avec les autres? Là, il faut installer le logiciel. Installer l'OS. Linux, hein, on rappelle que c'est Linux. Si vous connaissez pas Linux, c'est pas un concurrent à Windows, mais c'est un logiciel qui est gratuit déjà. Et ça, ça change tout. La seule chose, c'est que bah, il a beau être gratuit, il faut tout programmer tout seul au niveau des drivers et ce genre de choses. Alors les pros de Linux me diront « Non, mais c'est fastoche !» Moi, je vous dirais qu'il y a à peine essayé que faut s'y connaître, hein. Et le problème, c'est que t'es sûr de rien, en plus. Ok, donc on a 3 PC qui rapportent 11$ par jour. Alors, là, apparemment, tu vois que le machin, il est tombé. Il est en train de faire dodo. Donc, apparemment, le... Ouais, tu vois, regarde, avant, ça faisait 12$. Maintenant, ça fait moins. Et donc, ouais, en 2-3 jours, on a gagné 400 balles. Ok, ouais, et bah, ça, c'est pas mal. Putain, ma Z, regarde-moi comment ça monte. Alors, il a fini la construction et ça c'est bien. Donc on va pouvoir commencer à faire plein d'autres choses. Attends, bouge pas. Donc du coup, on garde 2000 balles parce que ça peut toujours servir. Hardware Avanced, ça c'est pas mal, ça on va essayer. Le hardware, en attendant, ce qui serait bien, c'est justement d'aller acheter des choses, genre une porte. Un truc de fou furieux, mais une porte. Et puis, j'en sais rien en fait. Combien ça? 15? 75? Le carré, 9. Ah, c'est 9, c'est quoi? C'est un floor. 70% de taux de poussière. Ah oui, d'accord, on en est là. On va essayer 4, 8, 10, 12. Je sais pas, 12, allez. On va essayer ça comme ça. Et donc là maintenant. Voilà, et maintenant là, il peut l'installer. Voilà. Qui a besoin de l'autre porte? Alors, par contre là, je sais pas du tout comment ça marche. Il a installé la porte? Il a installé la porte, qui est superbe. VIP panoramique. Ok. Oui, à gauche, à droite. Donc j'ai mis du parquet plein partout chez moi. Comment je fais une autre pièce? Peut-être acheter des murs, en fait. Je suis un peu con. Je crois que je suis un petit peu con. Mais enfin bon, ça c'est... Ça c'est normal chez Tatsu. Bon, qu'est-ce que tu me... Voilà. Est-ce qu'il y a des murs à acheter? Moi, je fais pour acheter des murs. Infrastructure. Aucune idée. Bon, ça, c'est un truc de vêtements. Alors bon, je sais bien qu'on est un gamer juteux, là, mais... D'accord, donc il a fini... Il fait que apprendre. Hardware Express. Tiens, ça peut toujours servir. Ah, je peux pas parce qu'il me faut Linux Expert. Allez, roule ma poule. Ça va te prendre une éternité.
J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on fait. Aucune idée de comment est-ce qu'on fait pour faire une autre pièce. Je viens d'installer une porte. Dark marbre. Putain, 200 balles le truc. Infrastructure. Est-ce qu'on est sûr que standard carpet 70%. Est-ce qu'on est sûr de... Je crois qu'il me manque des murs. Hein. Je crois que j'ai beau mettre une porte, il me manque des murs pour... Ouais. Ouais, je crois qu'il me manque des murs. Peut-être en construction plus, je sais pas. On va essayer. On va avancer un petit peu. Je vous dis à tout à l'heure parce que... Ouais, oula. Franchement, on n'y est pas. Hein. Franchement, on n'y est pas. Alors là, mon gars, c'est petit par petit. Il apprend plus rien. Pay now. 200 balles. L'électricité. Ah bah oui, bah forcément. Parce que maintenant, ça douille. L'électricité qui douille. Vendre les bitcoins. Ouais, mais j'en ai 3000. Pfiou, heureusement. Alors, on va faire la chose suivante. On va augmenter. On va acheter plus de PC. Beaucoup plus de PC. Tiens, il est là. Non. C'est celui-là. Non, déjà, il faut que j'aille acheter des trucs. Ensuite, il faut que j'aille... Ah, tu m'emmerdes. Qu'est-ce qu'il y a, toi? It's time to explain just want. Ouais, mais bon. Donc là, il vient de me dire que le prix va tripler. Je viens de tout vendre. No way. Tell me something only I want to know. En train d'écrire. Bon, allez, mine-toi le cul. Comment ça? Tu pues du cul. Oh. Ah, ça, c'est moi qui lui ai dit. Bon, c'est un secret. En fait, c'est nous dans le futur. Because I'm you, Judy. Putain, mais qu'est-ce que je viens de dire, là? Message my past self. Comme... C'est ça. Je suis... Donc, le bonhomme, c'est lui, mais dans le futur. Ok. Hors ligne. Voilà, c'est bien. Hein. C'est la bonne chose à faire, hein, je pense. Hein. C'est la bonne chose à faire. Enlève-toi, du coup. Acheter des bitcoins. Ouais, bah tu vois, il est en train de monter. Il est en train de monter sec. Secos. Donc, je disais, il nous faut des PC. Il nous faut des PC. Il me faut un PC. Ouais, bah, c'est pareil. Hein. Et on peut pas en prendre deux. Ah non, on peut malheureusement pas en prendre deux. Ok, donc il l'a installé. Qu'est-ce que tu viens de faire? L'homme mystérieux a dit d'acheter des bitcoins aujourd'hui. Ça tombe bien, j'ai plus de pognon. Tu veux que j'achète des bitcoins aujourd'hui? Oui, non mais attends, il faut que ça s'écroule encore alors, hein. Alors, il faut que ça s'écroule encore, t'es gentil, mais... Bon, normalement, il paraît que c'est nous. Ok, donc là, on le démarre. Là, on met le logiciel en place où il est. Linux comme d'habitude, tu avances s'il te plaît. Alors ça c'est chiant, tu regardes, il faut que j'enlève tout pour avancer, pour qu'il m'installe Linux. Ah, il est en train de faire dodo. Avance, connard. Ok, donc du coup, logiciel de mining, il est en bas, merci. Voilà, alors pour l'instant on peut pas encore faire de l'éther et ce genre de choses. Mais incessamment sous peu, et puis l'overclocking, bon bah, doucement mais sûrement. Ok, voilà qui est fait. Comment ça, 3? Ah oui, d'accord, oui, 3. Ah oui, 3, oui. Il est vraiment en train de se péter la gueule. Jeter du bitcoin pour 500 balles. 7 maximum. Je viens de dépenser 2300 balles pour acheter du bitcoin. Bon. Vendre des bitcoins, maximum, il y en a pour 4000. Et donc là, il est en train de remonter. Oh, c'est bon ça, c'est très très bon. Moi, c'est très bon ça. Hop là, on a tout vendu pour 5000. Il est en train de se péter la gueule aussi. Ah, il remonte. Vendre le bitcoin, on a produit un petit peu. Ah, oh, super, regarde, j'ai ma ferme qui avance, là. Ah bah, j'aurais dû peut-être le garder.
Bon, pay now, oui. Bon, ça coûte cher, tout ça. Ma ta gueule. OMG. Wouah! Hop là, on est en train de se péter la gueule, on vend tout. Allez, on produit la ferme. Putain, ça continue à monter. Qu'est-ce que je voulais faire? Encore un PC. Je sais pas si j'ai du pognon encore. Non, MG. Donc là, j'ai 5000 balles. 3000. Go to the market. Mais calme-toi. Oui, je sais. Vendredi, Bitcoin. 1000 balles. Allez, 1000 balles. 1000 balles. Ça donne encore un petit PC, là. Et donc là, j'ai 2 PC. Ok, donc là, sur le principe... Ouais, il faut qu'il fasse dodo. Avance, connard. Ok, on s'arrête. On remet les 2 PC en route. Donc on a 7 PC qui font du minage. C'est énorme. On installe le logiciel, bien évidemment. Enfin, le logiciel, le machin. On enlève tout. Voilà. On reprend. Logiciel de minage. Alors, ne vous en faites pas, c'est parfaitement, c'est pas pour du vrai, et ça ne représente absolument pas la réalité. Par rapport au prix de l'électricité, le Bitcoin, ça rapporte rien de le faire, une ferme à Bitcoin. Il vous faut, un barrage électrique qui vous produira de l'énergie gratuitement. Et là, peut-être que vous pourrez gagner quelque chose, un petit quelque chose. D'après ce que j'ai compris, hein, c'est vrai que pour l'instant, en un an, ta carte graphique, elle n'est pas du tout... comment on dit déjà ? Tu payes pas ta carte graphique en un an, en fait, si tu veux. Dis donc... Bah, ça produit ou pas ? Oui, d'accord, mais ça... D'accord, donc là, je suis en montée... Qu'est-ce qu'il y a encore? Show, matériel use. Ah, ma chambre, élément dans l'entrée du cabinet, c'est-à-dire. Donc il y a des choses qui vont... Oui, parce que c'est ça le problème. Overclocké. Qu'est-ce que tu me fais? Mais ça, on s'en fout, ça. Arrête de miner, on s'en fout de ça. Cramé. D'accord, donc là, j'ai des... Ah, on est comme ça, donc là j'ai littéralement un PC qui a cramé. 2 PC qui a cramé, 3 PC qui a cramé. Oh, putain, mais tu peux pas me faire ça. Overclocké, bah oui, forcément c'était overclocké à 20%. Donc du coup, je fais comment? Attends, par type, sélectionner la cible. Chaque matériel de minage... Unité d'alimentation, bloc d'alimentation efficace par exemple. Oui, d'accord. Alors attends, là par exemple, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Installer l'OS, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Sélectionner la cible. Ah, mais là je réinstalle l'OS, mais ça sert strictement à rien si c'est cramé. Mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi il y a 2 disques durs là? Je comprends pas du tout. Attends, bouge pas. Remove. Ah d'accord. Ah d'accord, t'es en train de le refaire en fait. Est-ce que t'es en train de le refaire quelque chose là? Show ma chambre. Fais voir. Donc y a... C'est bon, attends, il faut qu'on... On éteint tout ça. Ouais, logiciel de minage, reprendre, démarrer. Donc là, j'ai tout éteint. Ok, vendre, remove. Oui, non, mais... Ah, c'est renommé, je suis un peu con aussi. Oh putain, reprendre. Ouais, mais non, mais ça sert à rien. Logiciel de minage,
close. Comment je fais pour... Ok, alors là, petit soussail, hein, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il reste encore 3 PC dans le truc, mais ils sont à 2$ par jour. Attendez, il faut que je vous montre. Bon, ça, 2$ par jour, mais il s'est complètement effondré, le Bitcoin, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, du coup, je peux en acheter, là, maintenant. Il paraît que le 9, ça remonte, alors, c'est ça, hein. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas de pognon. Tu vois, c'est... Bon, ça tombe pas très très bien tout ça, hein, je te le cache pas, le jeu a été enregistré avec succès, parce que j'ai plus de PC, enfin j'ai de moins en moins de PC, et il faut impérativement que... Ah, regarde, il est pas content, parce qu'il y a un truc. Qu'est-ce qu'il veut? Attends. Non, pas celui-là, là, c'est quand tu passes dessus. No best target. Ah, d'accord, donc c'est ça, tu peux pas le... Voilà, d'accord, il peut pas le bouger parce qu'il peut pas passer, en fait. Ok, d'accord. Oui, parce qu'il doit, vu que moi, parce que le petit mouvement que j'ai fait, là, il doit le faire. Donc, du coup, ok, donc le 9, hein, il avait dit. Hein. Le 9, il avait dit, allons-y, on continue. Lui, il continue ses études, parce qu'apparemment, je sais même plus, on est sur quoi, là. Oh, ça fait tellement longtemps, je sais même plus, on est sur quoi. On est le 6, hein, on est d'accord. Former les employés, l'autre abrutus, là, il apprend quoi exactement, je sais plus. T'es sur quoi, dude? Ah, stop recharging. Oh, mais tu... Are you recharging what? Bon, il faut laisser faire. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Donc, du coup, il faut que j'achète de nouvelles cartes. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai fini ça ou pas? De nouvelles cartes qui coûtent 500 balles la carte. Et je sais pas du tout quoi faire avec mes anciennes cartes. Next Express. Qu'est-ce qu'il y a? Pay now. Oh, superbe. Ah bah, j'ai pas de quoi payer. C'est génial, j'ai pas de quoi payer. Du coup, bah en fait, j'ai des bitcoins. Acheter des bitcoins. J'ai acheté un maximum de bitcoins. Donc, je peux pas en acheter. Par contre, pour les vendre, je pourrais en vendre. Mais, cela n'est pas possible tout de suite. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que apparemment on est le 6-04. New shop, alors ça, bon, j'ai regardé parce que j'ai dû recharger ma partie. On attend, on est le 7, donc du coup, le 8 et le 9. Et donc là, apparemment, faut vendre le bitcoin. C'est ridicule. Il a bien dit le 9, hein. C'est ridicule, connard. Qu'est-ce que tu racontes, là? Pas du tout en train de remonter, hein. Et vous, logiciel de minage. Ils sont toujours à 2$ par jour. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc vous voyez à quel point c'est risqué. C'est terrible, hein. Ils sont à 2$ par jour. Ouais, c'est pas bon du tout. Ça remonte. 2,15$, 2,20$. Ah, c'est là seulement que tu vas me... Je suis de retour. Ouais, ça, je... Qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Bientôt monter en flèche. Achète 100K. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, j'ai rechargé. Et donc, je suis derrière le truc. Oh, putain, il me fout dans la mode. Donc, il me fout 100K. Donc, à partir de là, ça coûte pas grand-chose. Ouais, tout ça. Ah, oh, putain, j'ai pas envie de lui parler parce que là, ça prend une éternité. Avance, abruti. Il est en train d'écrire. Il prend son temps pour bien écrire. Comment tu peux lire le... Voilà. Voilà, il t'est... Alors, je ne peux pas. Au fur et à mesure, je me souviens... dans sa mémoire, quoi, en fait.
Il se souvient exactement ce qu'il t'a envoyé, quoi. Bah, dis donc. Moi, je me souviens déjà plus ce que j'ai mangé hier. Alors, c'est un hutin de génie de malade. Bon, avance, Truduc, avance. Donc, c'est là, apparemment, dans le 9. Attends, non, je peux pas remonter dans le fil. Ah, ok, si vous êtes riche, pourquoi m'envoyer des messages? Bah oui, mais ça, c'est... Test d'envoi. C'est un test, d'accord. Un test pour changer le passé. Mystérieux type... tipster. En quelque sorte, les scientifiques ont trop peur d'utiliser cet appareil, bien sûr. Ça semble dangereux de se précipiter. Allez, avance. J'adore le fait qu'il prenne son temps comme ça pour me parler. C'est trop cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. C'est trop réaliste, là. J'ai envie de game, là. J'ai envie de game. Le souvenir se mélange à nouveau. À plus tard, c'est ça. Barre-toi. Prudit. Oh, c'est nul à chier, leur truc. Ok, 2$. Donc, attendez. Hop, 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 hop. Donc, à partir de là, tu veux que je produise... Attends, est-ce que j'ai un peu d'argent? Parce que l'idéal, ce serait de produire un max. Il y a encore un message à la con et je vais... C'est quoi ça? Ah oui, parce qu'il faut payer, évidemment. Bah, il faut payer. Il faut payer. L'idéal, ce serait... Attends, donc c'est normalement ça de faire ça comme ça. Pour un petit peu ce que j'ai à vendre. Donc j'ai 100 balles de bitcoin. C'est ridicule. C'est nul à yesh. Faudra en acheter, peut-être, annuler. Acheter, qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter pour la max, voilà, à partir de là. J'achète. J'avais tout vendu. Mais j'achète. Vendre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Dans quelques jours? Bon, bah, voyons voir si ça va remonter. Voyons voir si ça va remonter. Ah oui, ça, en effet, ça remonte. Putain. Matériel, il est en train de se foutre en l'air tout seul, là. C'est incroyable. C'est ce que je vous ai dit, hein. C'est ce que je vous ai dit. Donc, voilà. Encore un PC qui est mort. Encore un PC qui est littéralement mort parce qu'apparemment, il y a de la poussière dans le truc. Voilà, j'avais pris exprès un rack fermé, mais apparemment, il y a de la poussière dans le rack. Et donc, ça va pas du tout. Voilà, ok, super. Le cinquième PC qui est mort. Logiciel de minage. Non, arrête, il faut que tu arrêtes tout, en fait. Shut down. Je sais pas du tout quoi faire avec ces foutues cartes graphiques. Je sais pas du tout quoi faire avec ces foutues cartes graphiques, ça a coûté une fortune et je peux plus du tout les vendre. C'est génial. Qu'est-ce que t'as foutu avec les autres cartes graphiques? Ah, mais je les ai pas laissées dedans, c'est pas possible. Éditer. Bah. Ah, d'accord, le fait d'avoir redémarré, peut-être que ça m'a... D'accord, il a dû s'en débarrasser, hein. Je sais que je les ai pas vendus, hein. Il y avait rien pour les vendre. Hein. Bon, voyons voir. Voyons voir si ça monte. Ah, c'est passionnant, hein. De toute façon, c'est des courbes, ça monte et ça descend. Hein. Attention. D'accord, donc en effet, ça monte. On va juste regarder un petit peu ce que les deux, là, ils rapportent encore. Donc, il est monté à 3$. Ah oui, d'accord, ouais, ça monte. On a besoin de pognon, on a grand besoin de pognon. Donc en effet, il veut nous dire que quand ça descend... Mais non, mais là, ça... Quand ça descend, il faut acheter, mais... parce qu'à un moment donné, il est à 12$. Il faudrait que ça remonte tout autant. Et ça, c'est le risque, chers amis. Là, vous l'avez, le risque. Alors, c'est évidemment... Et je peux pas payer, connard. Attends, j'ai envie de dire des gros mots, c'est incroyable. Ça, c'est le risque, en fait, si tu veux. Mes souvenirs se mélangent. Oh boy, oh, serious trouble. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des soucis? Donc là, il y a un message, up big time. J'ai pas tout compris, mais apparemment, il y a un message qui a été... ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Malheureux. Fou furieux. Un petit. A scientist of my life didn't analyze this message I sent you. Ah, d'accord. Affected could destroy. Disastrous. Donc, apparemment, il a fait de la merde, évidemment, et que ça va être désastreux. Bien sûr, pardon. Like what? Comme quoi?
J'adore. I had an influence on you and a much lesser fade to which church a discovery to take. Bah oui, parce que si là t'es riche, maintenant t'auras plus besoin de. Comment dire, d'inventer ta machine. Hein, c'est un peu ça. Hein. In English, please. Oui, oui, in English, please. Parce qu'il comprend pas paradoxe, coup de machin, space-time, quantum. Apparemment, on pourrait évidemment déchirer la voie du temps, tout ça, tout ça. Je voulais faire du fric, moi, c'est tout, hein. Ouais, ouais. Allez, ça va, c'est bon. Oui, oui, c'est. Alors, mystérieuse, type, si vous voulez, ce mission, découvrir. Ah, tu veux que moi je le découvre, le machin technologique qui permet de. Tu te fous de ma gueule? Tu veux que j'étudie sur le PC pour découvrir ça? Whatever, man. Donc apparemment... une minute, là. Donc il se souvient qu'apparemment c'était ici et que... Won't contact you again. T'es pas obligé, hein. T'es pas obligé, mec. T'es pas obligé, hein. Ça, franchement, c'est le côté chiant. Voilà, c'est un petit peu le côté chiant. Ils essayent de scénariser ça, mais franchement, c'est nul à yesh. On est toujours à 7 balles. On est toujours à 7 balles. On va laisser monter à 12. On va laisser monter à 12, ce qui est un peu con parce que j'arrive pas à voir ce que je produis. Genre ici, qu'est-ce que c'est ça? Encore. Non, découvert. Putain, il faut toujours qu'il y ait des pop. New item shop. On verra ça plus tard. Oh putain, mais barre-toi. OMG. Vendre. Donc je pourrais vendre ça pour 10 000, hein. Attends qu'il soit 12 ou 13. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais, ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 là je vais pouvoir en acheter des cartes graphiques, là. Ah ouais, 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 on va en acheter des cartes graphiques, là, mon gars. Attention, ça chute. Je vends tout. On en produit, je vous signale. Alors, c'est peut-être fait exprès. Il m'a bousillé la moitié des PC, peut-être, pour que je... Bon, ok. Donc, apparemment, dégage. Donc, apparemment, là, il est stable. L'idéal, ce serait de recommencer à produire. Alors, il faut... Je pense que c'était fait exprès. Ok, apparemment il y a une nouvelle carte qui est arrivée. Attends, non, j'ai pas dit que je l'achetais. Donc celle-ci, Kryptonite 322, celle-ci, ah oui, mais elle est beaucoup moins puissante. Elle est beaucoup moins puissante. Et puis là, c'est 13, et là c'est seulement 8. C'est ça, hein, elle est beaucoup, beaucoup moins puissante. Donc il faudra quand même que j'en achète. Ouais, j'en ai déjà en acheté. Une petite dizaine à une douzaine. Oh putain, mais ça coûte une fortune, hein. Ça coûte déjà une fortune. Qu'est-ce qu'on a encore acheté? Non. Vendre. Combien on a déjà? 320. Oui, mais c'est parce que le temps n'est pas beaucoup passé, en fait. Le temps n'est pas du tout passé. Ok, on va essayer de remettre tout ça en route. Non, arrête avec ça, je m'en fous de le renommer. Oh là là, à peine tu misscliques, hein. Alors, est-ce que ce sont les bonnes ou pas? Est-ce qu'elles marchent? Je crois qu'elles ont disparu, les... J'en ai aucune idée. Éditer. Tu vas pas me faire en sorte que je mette des mauvaises, hein, on est d'accord. Hein. On va pas y arriver, hein. Je sais pas lesquelles sont cassées, lesquelles ne sont pas cassées. Je vais juste m'embêter un petit peu là. Hein. Je vous le cache pas, c'est un peu le jeu du voilà quoi, du système D. Il y a pas mal de petits points comme ça qui. Est-ce que j'ai mis des cassés dedans? Oh, j'en ai acheté combien? 12. Oh non, mais j'ai sûrement dû mettre des cassés là-dedans. Il m'en reste encore deux, ça veut rien dire.
Ok, donc on arrête une petite seconde. On prend le temps de démarrer ce qui va pas. Et on prend le temps de relancer. Qu'est-ce que c'est ça? Simulateur universel. Ah. D'accord, donc il faut que je fasse. Voilà, d'accord. Il faut que je fasse des simulations pour son truc de. Ouais, non, tu vois. Donc c'est celle-ci qui va pas. L'autre rapporte 8. Donc en effet, c'est exactement ce que j'ai dit. J'en ai certaines qui étaient pétées et je les ai mis en place. Et ça, c'est génial. C'est un truc qui me fait très plaisir. Ok, toi aussi. Alors, je sais pas si je devrais overclocker à nouveau ou pas. That is the huge question. Oh, attends une petite seconde. Et puis là aussi. Ok, 10$ par jour. Ouais, d'accord, elles sont pas overclockées. Ça devrait aller. 10$ par jour. Bon, bah, c'est bon, on est reparti là. 8$. Laisse à 8$, il y en a qu'une en fin de compte qui me pète les burnes. Ok, mais par contre, je voulais faire un truc. Je voulais aller acheter un comme ça. Ça, c'est pas un rack, c'est celui-là. Alors, hot air, room cooled. Donc, ça fait de l'air froid, ça consomme de l'électricité. Initiative mining of hardware. Je peux l'acheter. On a encore 13 000 dollars en cash. Comment c'est possible ça? Comment c'est hutin de possible? Voilà. Donc il y en a un autre qui a pété, évidemment. Un autre qui a pété. Et c'est tout le temps des petites fenêtres qui pop comme ça que ça te rend dingue. Ça te rend dingue. Ok, donc du coup, comment ça marche exactement et qu'est-ce qu'on a à vendre? Parce que quand même, là, on est quand même très très haut. 1$, attends. 1$, c'est parce que ça n'avance pas. Ouais. Là, tu te fous en l'air à chaque fois. C'est génial, j'adore ça. Donc, c'est ces deux-là. Logiciel of mining, non. C'est remove, shut the main. Ok, donc c'est de là. Pardon, hein, chers amis, Donc, du coup, si celle-ci je la mets en place, je suis pas sûr. D'accord, donc là il me le dit qu'elle est cassée. Et il me dit qu'elle est cassée. D'accord, ok, bon, voici déjà. Donc c'est celle-ci qui est pétée. Mais il faudrait que je vous vire, vous vois. D'accord. Remove, vendre. 27$. Ah bah oui, de 500 à 27$. Alors l'idéal, ce serait de pouvoir le réparer. Ça, ce serait cool. Je sais pas si je devrais changer. Alors, je sais pas. Là, vous voyez, vous vous dites le boîtier. Oui, mais Tatsu, le boîtier, il faudrait le changer. Ah bah tiens, on a des comme ça maintenant. C'est bien ça. 700 balles. Alors, est-ce que ça marche bien, en fait? Programme. Skin. Décrypte. 5... Mais c'est une folie, ce truc-là. Mais c'est une folie. 5000, tout de suite. Attends, on parle bien de Kryptonite, là. 120 MHz. Parce que, bon, là... On est à 300. Elle coûte déjà 500 balles. Et on a donc ce truc qui est une folie. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. J'ai vu pas mal de vidéos sur des racks. Mais alors, ce machin-là, mon gars... Je sais pas, on a du pognon. J'ai en 4. 6. Donc, je peux mettre ça là-dedans. Ah oui, je peux les empiler. Aucune idée de comment ça marche.
Putain, mais cette porte nulle, là. Faut que je trouve comment est-ce qu'on... Attendez, bougez pas, avance, toi. Ok, donc ça, c'est fait. Attends, si ça marche mieux que... Enfin, en même temps, ouais, non, ça fait 5000, là. Arrête. Ouh, ça me rend fou. Non. Ah, tu veux pas le mettre en dessous? Tu veux pas le mettre en dessous, d'accord. Voyons voir. Alors, du coup, démarrage. Ok, logiciel. Alors, est-ce que... Il y a besoin de rien? Juste sélectionner la cible. Ah ouais, mais j'ai peut-être pas les compétences pour. D'accord. Il te faut des compétences en quoi? Requis programmeur. C'est le truc de hyper haut level, c'est ça, hein? Ok, d'accord, bah forcément. Ah non, mais il y avait forcément une douille quelque part. Il y avait forcément une douille quelque part. J'ai compris. J'ai compris. Ça sert à rien de les faire tourner, du coup. Ça coûte de l'électricité pour rien. Ta gueule. Démarrez-le. Démarrez-le, non. Ok, alors il va falloir le laisser parce qu'il va vouloir passer évidemment comme c'est super mal foutu. Logiciel shutdown, ok, super. Allez, go for it, roule Marcel. D'accord, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je rachète les cartes et donc toi tu veux la formation, la grosse formation, hein. Former les employés, mais c'est l'autre connard, le seul qu'on a, hein, évidemment. Et donc, c'est ce truc-là. Touching target. Donc, il faut que je sois un expert en hardware, hein, alors que c'est justement le truc qui est facile. Programming expert. Donc, hardware. Ouais, mais est-ce que tu as fini ta formation, toi? Non, il a toujours pas fini sa formation, hein. Démarre-le, shut it down. D'accord, t'as vu quand je démarre, ce qui se passe, j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, il est pas content parce que le bruit dépasse les décibels. Donc ça, je peux même le vendre, en fait. Il me sert strictement à rien. Ok, d'accord, en fait, c'est bon, voilà. Au niveau de vous... remove. Ouais, non, mais t'es pété. Ce serait bien d'avoir une confirmation sur le fait que tu sois pété, hein, qu'on puisse rien faire du tout. Bon, en même temps, il faut des compétences en électronique hyper pointues pour faire ce genre de choses. Attends, on va les séparer maintenant, parce que là, j'ai fait des bêtises. Bon, ça va évidemment... Non, donne. Bon, enlève-toi, toi. Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi? Range-les, juste. Il peut les ranger. Je suis con, aussi. On n'est pas obligé de se les coltiner. Bon, bah, alors, j'aurais bien aimé qu'il y ait une nouvelle carte graphique qui sort. Putain, il faut aller dans le magasin qui est ici. J'aurais bien voulu avoir une nouvelle carte vidéo qui sorte, mais ce n'est pas possible. D'accord, et donc ça, c'est un boîtier à filtre à poussière. Et c'est ce truc-là qu'il me faudrait. Par contre... Il fait beaucoup trop de bruit, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas du tout. Dans une autre run, j'ai essayé d'avoir un rack comme ça fermé avec ces boîtiers-là, en fait. Et ça marche pas du tout parce que il est bloqué. Il se bloque comme tout à l'heure parce qu'il y a trop de bruit. Et il ne veut pas dormir. Et il a dû passer 3 ou 4 jours à dormir quand j'ai tout éteint. Donc ça ne rapporte plus rien. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça se gère. Ok. Donc du coup, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 12. Oh là là, j'ai encore un peu de pognon. Allez, 12.
On met ça et on y va. C'est parti. Et on remet ça en place, s'il te plaît. À moins que tu me crames ça immédiatement. Ce qui est pas impossible. Par contre, s'il continue à cramer, je peux plus rien faire. Hein. En fait, c'est peut-être trop de PC. Just shut it down. Oh là là, level editor. Mais pourquoi tu... ouais, non mais... D'accord, maintenant laisse-moi shut it down. Hey. Pas encore fini, éditer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu marches maintenant, toi? Pourquoi il marche maintenant? Oh là 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 là. En fait, les cartes, elles ont refroidi ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Mais pourquoi j'attends, bon sang? Allez, fais ton truc, mec. On va essayer un truc. On a mis le truc au-dessus. Ok, d'accord. Bon, bougeons pas. Démarrer. Le truc du mining. Non, mais lequel qui va péter? Et ça recommence à produire. Ok. Bon, en même temps, tu me diras, des cartes graphiques, on n'en a jamais assez. Vu que ça claque assez souvent. Ça produit 7 euros par jour. Voilà, il a fallu gérer, hein, chers amis. Il a fallu gérer. Je suis désolé si c'est pas incroyablement intéressant. Mais par contre, maintenant, du coup, comment est-ce que je fais pour équiper ce truc-là avec des ventilos? Ce serait bien, en fait. Fan. LED. Cadre, deux en un. Alors celui-là, il est aéré. Si tu mets celui-là avec tous ces PC, en fait, ça marche pas non plus. Bon, il faut impérativement qu'il finisse son... Voilà, qu'est-ce que je disais? Démarre, remove, c'est celui-là. Ok, super, il a enfin réussi. Joe Miner a fini sa formation. C'est trop bien, Joe Miner. Vraiment, vraiment trop bien, sale petite mode. Bon, bah apparemment, il veut lumière LED. Pourquoi cela? Pourquoi tu vas prendre ça? D'accord, donc tout ce qui est un petit peu en bleu, là, bah, on peut pas. Physique expert, bien sûr. Il faut que j'apprenne la physique quantique. Attends, c'était pas ce truc-là qui voulait le programming express. Il me faut le programming express et le hardware express. Donc ça, c'est les trucs qui sont aussi élevés que la formation qu'on vient de faire là et qui va prendre sa vie. Et donc là, il me faut le rig. C'est quoi ce machin? Basic programming, j'ai pas encore le basic. Advanced overclocking. Bah alors. Basic management. Overclocking express, on s'en fout pour l'instant. Programming express. Ah ça je peux pas. Ça je peux pas non plus. Parce qu'il faut programmer. Hardware express. Il est où le hardware? Et je peux pas non plus le hardware. Bah je peux pas faire grand chose hein, apparemment ouais ça il semblerait que j'ai déjà tout ce qui est Advanced Computer et Basic Computer Hardware, mais le reste je ne peux pas. Voilà tout simplement. Basic Manager, pourquoi tu m'emmerdes? Pourquoi tu me pètes les couilles, Advanced Programmer? Basic Programmer, parce que j'ai pas du tout le Basic Programmer. Et maintenant. Attends. Constructeur expert, alors ça aussi. Voilà, donc
ma recherche là, c'est Basic Programming. Normalement, ça devrait prendre pas trop longtemps. Alors, ils ont dit apparemment, je devrais. Voilà, bon, ça c'est super, ça c'est bien joué. Maintenant que j'ai Basic Programmer, Advanced Constructeur, non. Basic Programmer Expert, Advanced Programming. Et je peux toujours pas parce qu'il me faut. Lumière RG. Pourquoi ça ? Il faut que j'apprenne ce truc-là. Est-ce que ça va prendre longtemps ? Ça va prendre sa vie, je crois. Alors, comme d'habitude, hein, les cartes graphiques qui ont claqué, comme d'habitude, hein, évidemment, ça claque, shut it down. Puis, voilà. Chers amis, on va s'arrêter là. Très, très joli petit jeu. Ça m'embête un petit peu de pas, comment dire... Disons qu'il est très fin comme jeu. C'est pas hyper impressionnant, mais il faut que tu fasses tes formations. Il faut que tu fasses bien gaffe à ce que tu as dans ton PC. Parce que là, j'ai plein de choses. On a reçu plein de nouveaux matos, en fait. Voilà, on a... Et ça, il me faut une unité de climatisation. Pay now. Voilà, ça, c'est l'électricité, évidemment, parce que ça te coûte du jus, bien sûr. Maintiens la touche masse enfoncée pour plusieurs objets. C'est dur. Bon, bref, il faut que tu maintiennes ça à l'intérieur. Mais par contre, lumière LED, donc ça, t'as appris, c'est bon ? Il a appris, il me spam, j'adore ça ! C'est trop génial. Ce jeu a quelque chose de vraiment, 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 vraiment prenant, en fait. Je vous le cache pas. Vraiment, vraiment prenant. Donc, du coup, maintenant, le Advanced Programmer, je peux toujours pas... Non, pas le basique, le basique. Je peux toujours pas, il me faut le hardware expert, pardon. Mais ça veut dire que maintenant le hardware, je peux ou pas le express ? Non, car il te faut le rig, il te faut le FPG. Mais est-ce que j'ai celui-là, le FP, machin, est-ce que je peux celui-là ? Non plus, parce qu'il me faut le... C'est génial, c'est comme dans Astérix, ça. Il te faut le formulaire B32, il te faut le B34... ou le A26 avant de pouvoir... C'est génial, hein. Vraiment, vraiment génial. Ils auraient pu faire un arbre de talent. Ils auraient pu faire un arbre de talent. Non, on va faire en sorte que ce soit chiant et compliqué. Advanced Overclocking, oui, mais non, ça, on s'en fout. Donc, pour le hardware, il me faut le FG, le rig, donc le rig ASIG. Apparemment, je devrais pouvoir... Pas du tout. Celui-là, je l'ai fait, littéralement. Cette recherche target, non ? Bah, je l'ai, apparemment. Lumière RGB. Linux. Non plus. Physicien expert, non plus. Tu me dis, hein, ce que je peux faire. Hein. Non plus. Ça devient fou. Bon, bah, bref. C'est un petit jeu vraiment, vraiment très, très prudent. Ils auraient dû faire un petit arbre de talent. Là, je m'emmerde. Programming, Advance. Bon, et donc pour le rig qui est ici et dont j'ai largement besoin, apparemment, il me faut le hardware express. Et pour le hardware express, il me faut le rig. Pour le hardware, il me faut le rig. Et pour le rig, il me faut le hardware. C'est beau ou pas ? Oh, c'est magnifique, ma chérie. C'est absolument superbe. Bon, et puis là, il me faut l'overclocking. Comment ça, l'overclocking express ? Ah oui, d'accord. Non, je peux pas. Parce qu'il faut le advanced. Mais tu te fous de ma gueule. Compétences personnelles, requis. Advanced, oui, d'accord. Et donc là, c'est requis. Le basic, bah je l'ai, le basic. Il est où le souci ? Enable. Mais, tu devrais pouvoir être... Ah, already have maximum number of skills. Parce que là, apparemment, j'ai trop de skills. Mais c'est énorme, il est énorme ce jeu. Voilà, très très joli petit jeu. Mais je fais comment, du coup ? Alors, on va où ? Donc, j'ai le maximum de skills. Ah, compétences 12 sur 12. Sans doute qu'il faut... Attends. Sans doute qu'il faut recherche for candidate. Donc moi, dans ma chambre, il faut que je prenne quelqu'un qui n'ait pas de skill pour le former. Tu vois, ça ajoute une complexité en plus.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, bref, on va se laisser là, chers amis. Très, très joli petit jeu, mais un poil prise de tête, je ne vous le cache pas. Voilà, les gros pouces bleus, gros abonnements, gros bisous. Tchou tchou, bye bye, à la prochaine.